Bonjour, moi je m'appelle Sébastien Métoyer, je suis chocolatier, cuisinier et chocolatier. J'ai fait toute ma carrière sur Paris et la région parisienne pendant pas mal d'années. Et puis j'ai commencé par la pâtisserie, le chocolat, la confiserie. J'ai été en cuisine en passant par le traiteur. Alors on a eu un coup de cœur pour cet endroit, pour au départ faire gîte et pêche à la truite. Et le chocolat est venu un peu plus tard, ma santé allant mieux. J'ai pu redémarrer mon activité de chocolatier aussi, avec une vision différente. Donc maintenant, le chocolat, je travaille plus sur mesure. Donc en fonction des gens, des goûts, des arrière-goûts, je leur crée leur chocolat, aussi bien pour des particuliers que pour des professionnels. Et des chocolats que je conseille à marier, notamment avec des vins, des bières artisanales, des choses comme ça, différents plats, des poissons, des verrines. Donc avant, l'intérêt, c'est qu'avant, je le faisais uniquement en tant que conseil par rapport aux gens. Ça veut dire que les gens prenaient les chocolats pour pouvoir les travailler en cuisine ou créer leur dégustation avec leurs amis et étonner leurs amis en même temps. Là, l'idée, c'est qu'au lieu de pouvoir uniquement leur en parler, je peux leur faire déguster des petites verrines, des petits plats, des bières artisanales, des brasseurs avec qui je travaille et qui sont intéressantes puisque là, du coup, eh bien, on leur propose une dégustation directement. Et c'est un métier que je veux faire depuis que je suis gamin. Donc le fait de pouvoir conjuguer mes passions, eh bien, ce que je cherche, c'est à les transmettre aussi. En fait, si on est venu par ici, c'est pas un hasard. C'est parce que moi, j'avais beaucoup de ma famille qui était pas loin. Depuis que je suis enfant, je viens dans la région. Donc c'est vrai qu'après, quand on a eu la possibilité de changer de vie, entre guillemets, eh bien, on s'est rapproché plus de ce qu'on connaissait, ce qu'on aimait de cette région. On a quand même beaucoup de commerce, on a les écoles, des médecins, des choses comme ça, donc c'était vraiment intéressant. Et touristiquement, c'est pas mal. Et c'est vrai que le lieu au Moulin Rouge, entre la rivière, entre les étangs, entre les chemins de randonnée qui sont juste à côté, bah c'est quand même très agréable. En chocolat aussi. Celle-ci, elle fait 40 kg de chocolat. Tu vois. Donc ça fait déjà quelques années qu'elle a été réalisée. Et c'est en fait, c'est un présentoir pour les bouteilles. Les bouteilles. T'as les chocobies pour la cuisine aussi qui sont bien. Qui sont vraiment différentes en fait. Et là, les petites perles comme ça, dont je les ai fait en bocaux aussi. C'est ça ton petit bébé, ton petit coup de cœur. Ouais, Clémentina, c'est top. Après, il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas, ça dépend. Merci. Elle sent croquer, sent bien l'agrume. Ah, ouais. Quand tu froisses les feuilles des clémentines, c'est exactement les mêmes notes que tu as. Il y a un gros punch là quand on croque. Alors ça, c'est avec des vins comme des vendanges tardives, tu vois, des gueules straminières, des vendanges tardives, des choses comme ça. Très sympa, avec un poisson aussi, c'est bien. Je peux l'imaginer dans un filet de truite, enroulé dans un filet de truite fumé, tu vois. Ça tient bien la route. Je te propose de pouvoir justement déguster, puis tu vas me dire ce que tu vois dedans aussi, en plaît. Un autre. Tiens. On fait beaucoup de dégustations avec le vin. Mais les bières, c'est génial, quoi. Surtout en microbrasserie, maintenant, il faut des choses de qualité. Il faut des choses super. Là, tu as le filet fumé. À l'intérieur, tu as la bille de chocolat au poivre sauvage de Madagascar. Donc, avec le côté croustillant en même temps, on joue sur la texture. Le poivre qui revient. Et avec la bière, c'est pas mal du tout. Ouais, il y a vraiment plusieurs étapes là dans la dégustation. Il y a au moins 3 ou 4 phases. Alors, le côté fumé de la viande qui est fumée derrière, le côté chocolat, le poivre qui vient derrière après. Et si tu reprends de la bière en même temps après, tu vas voir, c'est plus la même chose. Ouais, les deux vont très bien ensemble. Ouais, c'est vachement sympa. Quoi. Mmh. Chocolatier, t'as énormément de chocolatiers de qualité, même dans la région, qui travaillent très bien. Il faut faire des choses différentes, sinon ça sert à rien. Mmh. Faut pas faire ce que les autres font. Sinon, c'est... Voilà, après, ça dépend des gens. Mais moi, c'est pas un métier. Mon métier, je le fais par passion. C'est un échange. S'il faut que je fasse comme ce qui existe déjà, ça m'intéresse pas. Mmh.